Bienvenue dans le Patrick's Club. Bienvenue en exemple. You made it. Ça va être votre outil toute l'année. Vous allez l'utiliser pour faire des réflexions, pour faire vos notes de cours et pour apprendre tout ce que Christophe va vous apprendre dans l'année. Et dans le fond, le journal de bord, c'est genre un de nos repères. On prend tout le temps des notes à l'intérieur. Puis je pense que Christophe, il nous demande de prendre des notes justement pour nous instruire puis comme nous montrer vraiment qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui n'est pas important. Puis je pense que ça va aussi comme nous aider au cégep à prendre des notes parce qu'on en a fait toute l'année. Je peux dire. Mais ça, c'est fun, prendre des notes. La réflexion, c'est correct. Il y en a beaucoup. C'est un outil vraiment important parce que tu le partout. En passant, si tu le perds, ben, qui ça va tuer. Puis si tu arrives comme moi, ton chien le mange, ben, bonne chance. La chimie entre les élèves est vraiment exceptionnelle dans notre groupe parce que cette année, j'ai parlé à des gens que je pensais jamais. À qui je pensais jamais parler. Fait que, ouais, je me souhaite des nouveaux amis. Fait que, tout le monde y était chez nous, on avait une bonne chimie, surtout dans le bus, la nuit qu'on va dire, on est sorti. Mais tu sais, toutes les filles qui commençaient à chanter Vital, c'est le meilleur moment de la soirée. Moi, je pense que la chimie des élèves en expo est précieuse parce que, au début de l'année, quand je suis rentrée dans la classe, il y a des personnes que j'avais jamais parlé avec eux, que c'était des gangs différents qui construisaient ensemble. Puis au cours de l'année, on s'est plus traités ensemble, on se respecte. Même si tu es moins d'être quelqu'un, on se respecte en quand même, puis on va se pourrer tout le monde. J'ai appris à aimer des profs que j'avais peut-être pas. Ah ouais. Découvert leur personnalité quand ils venaient avec nous en sortie, mais dans le fond, ça m'avait fait découvrir que j'avais fait en fond la folie avec ces profs-là. On est un groupe, on est unis et on a une super bonne chimie. On se connaît comme si on était depuis un an, même si la plupart des élèves ont déjà eu des relations amoureuses. On explose la chimie. Ah, sacrement, on pitche des trucs! C'est quoi ça? Dans le fond, ma sortie préférée, ça a été l'opéra. Parce qu'en général, j'aime beaucoup la musique. J'ai été vraiment surprise parce que j'ai été vraiment captivée par les deux spectacles de l'opéra. Ce que j'ai vraiment trippé, c'est sur la synagogie et le langage non verbal. C'est vraiment intéressant, c'est super drôle. Christophe fait beaucoup de jokes là-dessus. Comme par exemple, tu sais, sur la séduction, ben, comment tu sais si t'es un badass ou t'es un bon gars entre tes mains. Puis lui qui m'a touché le plus aussi, il y a eu l'Holocauste. Parce que ben, c'était touchant, t'apprends beaucoup de choses que, admettons, en secondaire 4, t'as appris, ben, en 5, tu vas en apprendre comme plus, puis plus en profondeur aussi. Comme tu vas vraiment voir l'intérieur des chambres à gaz. J'ai adoré la thème de l'Holocauste. Non, pas à cause de ça, mais parce que c'est de l'histoire et j'adore l'histoire. Dans le fond, son but, c'est de nous faire vraiment découvrir des choses qui nous ont inconnues, comme beaucoup de choses qu'on a apprises cette année, comme la NASA. Ouais. Notre thème préféré, nous, c'était la photographie, parce qu'on est vraiment des instables, puis qu'on peut vraiment apprendre comment genre, prendre en photo les choses, tu sais, contre-plonger, c'est vraiment intéressant pour le futur, tu sais, la photographie, ça tue pour le reste de la vie. Toi, Sarah, le conseil. Moi, en plus, ça m'a permis de mettre ma première photo à Sarah. Oui! Allez, Anne, _, Sarah, bonjour, allez, like. On est de 200 likes, tout le monde. Let's go. Je n'y aise pas. Apprendre plein de trucs comme la synagogie, comme c'est la meilleure affaire, n'importe quoi. Là. Langage non verbal. Tu vas savoir qu'est-ce que ton chum, qu'est-ce que ta blonde pense vraiment de toi. Là. Le thème préféré de toute l'année, pour moi, je pense que ça a été le langage non verbal. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Tout le monde a vraiment aimé ça. Parce que c'est pas un sujet qu'on parle nulle part ailleurs. On a juste parlé de ça en expo. J'avais jamais parlé de ça dans toute ma vie. Puis la pièce de théâtre qu'on a faite quand on a fait de l'escrime, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ce genre de spectacle-là. Ma sortie préférée, ça a été l'OSM à Montréal. Et j'ai vraiment aimé la musique, puis surtout quand les personnes ont commencé à chanter, je trouvais que ça faisait de l'harmonie. Ah oui, Christophe a beaucoup d'attentes pour vous. En fait, absolument rien.
parce qu'on a tous dépassé ses attentes. Ben juste nous, parce que nous on est comme vraiment extraordinaire. Juste mais vous, d'accord. Ouais, sentez pas votre téléphone, il va vous tuer mon ami. C'est votre mort, c'est votre mort. Ouais, un chandail d'école tu te le mets parce que sinon il va te... Ouh! Mais tu fais des bonnes réflexions. Genre, ouais, des bonnes réflexions, genre pas court parce que sinon t'es... C'est ta mort. Tu vas avancer comme tout ça. Ben il est gentil sinon, il va t'acheter des Doritos puis ouais. Va manger avec ton McDo. Le... Ouais, ben oui c'est ça. Il va me poser des questions étranges. Et ça vaut la peine de mettre ça. Qu'est-ce que t'as à faire mon ami? Je pense que cette école-là nous a permis de découvrir un peu plus sur nous-mêmes, d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, puis faire face à des nouvelles choses, à découvrir des nouvelles facettes de nous-mêmes, puis tester nos capacités, nos émotions, nos sentiments. Qu'est-ce que ça fait que les élèves s'amusent tout en restant respectueux, puis en respectant les règles qui demandent? Qui veut une personne responsable, organisée, structurée et respectueuse et fiable. Il s'attend à ce que tu sois en bon esprit, ça c'est sûr. Il s'attend aussi à ton respect. Je pense que c'est la chose qui promote le plus. Il s'attend aussi à ce que tu sois persévérant, que tu lâches pas, que tu n'abandonnes pas, puis que toujours tu fasses le plus que tu peux. Que tu relèves les défis aussi, genre porter une couche culotte au Cosmodon, juste un défi que j'ai fait, bonne chance. Ou danser avec des petits vieux à Saint-Sacrement pendant qu'on faisait une danse aussi, ça j'ai fait. Fait que bonne chance aussi, hein. On l'a tout fait, mais c'est pas grave. Puis au final aussi, tu deviens vraiment pauvre parce que le nombre de sorties que tu fais pour dépenser de l'argent, tu deviens pauvre à la fin de l'année. Comment à ce cours à marquer dans ce monde? J'étais triste parce que je manquais des cours, mais pas parce que je manquais des cours, mais parce que je m'amusais en manquant des cours, mais j'apprenais des affaires en même temps. C'était marqué mon secondaire, c'était excellent parce que ça m'a permis de voir d'autres choses que les vœux d'école. Moi, c'est même une sortie par année, qui est sur la place, parce que je fais l'édition 1 à l'école sur le dos. Ça m'a permis de développer d'autres habiletés comme aller dans des sorties à la l'opéra, voir des choses que je n'aurais jamais pu penser ou voir un jour. Explore en vaut vraiment la peine parce que tu vis vraiment des expériences hors du commun. Que tu vas faire des activités, des cours. J'ai appris des choses que je pensais jamais savoir un jour dans ma vie. Puis les activités, il y a des choses qui sont réservées juste pour Explore que ne sont pas ouvertes pour le public. Donc, ouais, c'est vraiment exceptionnel. Moi, c'est Sarah, bonjour. Merci. Faites bye. Merci beaucoup. Bye. C'était Audrey Anne en direct de la classe à Cricri. Bien Explore. Merci. Excusez-moi pour le petit problème technique. Hey, c'est fuckant, gros, cut-moi ça! On recommence. Ok, ça c'est un petit problème technique. Christophe s'attend à un chelou-ci dans le lit. C'est pas une expérience propre.